admiratif du lieu, de sa situation, de l'architecture, de son harmonie, évidemment. Et quand on, c'est sûr que quand on se produit dans un lieu qui est qui est aussi harmonieux que ça, ça appelle le recueillement, mais ça appelle aussi le respect, ça interroge aussi, ça questionne, je veux dire, sur notre trajectoire. Vous savez, la polyphonie, on le dit souvent, la polyphonie, bien sûr, c'est une esthétique musicale, mais c'est aussi une histoire de territoire, une histoire d'identité, une histoire de migration, une histoire... Et tout ça, dans un lieu pareil, qui est aussi ancré, et aussi, ça fait se poser plein de questions, et c'est sans doute une des raisons pour laquelle c'est un endroit où on a envie de chanter en le découvrant, c'est clair. Les traditions se marient très bien, toujours. Il y a un rapport instinctif dans la façon de chanter, ce qui est ancien, ce qui vient de l'inconscient collectif, d'une culture, mais on essaye quand même de se toucher et de faire quelque chose harmoniquement qui est très très beau, très touchant.